Donc, ici, ce que je veux parler, c'est de vectorisation automatique avec Illustrator. Le problème avec la vectorisation automatique, si on ne nettoie pas nos images, si on ne fait pas attention, c'est la quantité de tracés avec lesquels on va se retrouver. Vous avez ici une photo que j'ai prise moi-même. La photo était stationnée dans la rue. Là, elle n'est pas sur Internet. Ce n'est pas une question de droit d'auteur. C'est une question aussi d'exclusivité avec ce qu'on fait. C'est tellement facile et rapide de prendre des images maintenant. Pour faire en sorte que ma vectorisation automatique ait le moins de tracés possible, je dois nettoyer cette image-là. Je vais tout enlever l'arrière-plan. Tout ce qui m'intéresse, c'est le véhicule. Alors, ça va le simplifier grandement. Je vais faire une petite révision peut-être sur Photoshop. Alors, je vais mettre un calque en arrière-plan avec une couleur pleine, une couleur qui n'est pas dans cette photographie-là. Quand je vais la nettoyer, je vais de cette façon-là bien voir mon détourage. Donc, je vais prendre l'outil de sélection rapide. J'utilise par habitude une tablette. C'est plus rapide. Donc, vous voyez, la sélection pour le détourage se fait vraiment rapidement. Dans un deuxième temps, je peux rapetisser en tenant Alt, le bouton de mon stylet. Et si je tiens Alt, je peux rajouter des éléments. Là, je ne tiens pas Alt pour enlever ça. Et je vais aller rechercher mon miroir ici. Donc, en tenant Alt, je reprends mon miroir et je pourrais toujours être plus sélectif avec aussi mon masque une fois qu'il va être créé. Donc, c'est un autre aspect dans ce que je m'apprête de faire qu'il faut faire attention dans un studio. Je supprime jamais des pixels. Je travaille avec des masques. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en discutant avec vous, on ne sait jamais qu'est-ce qui va nous être demandé comme ajustement. Des fois, on a des gens qui nous supervisent, que c'est comme impossible qu'ils ne nous demandent pas des ajustements parce qu'ils sont payés pour nous superviser. Donc, je me fais un masque. Si je tiens Alt, mon masque se trouve à être inversé. Je vais vous montrer ma voiture là, qui est bien détourée. Je ne veux pas que ma démonstration soit trop longue. Là, je l'ai déjà fait. Mais on peut faire des recherches de couleurs. Entre autres, dans les calques de réglage, on a ISO ELI, si je le mets au-dessus, ici, je peux choisir un nombre de couleurs. C'est une façon d'avoir une réduction de couleurs rapide. Et donc, je vais avoir moins de tracés avec cet ajustement-là. Une autre manière, parce que souvent, on peut comparer, je vais appliquer mon masque, c'est-à-dire que si je fais convertir en objet dynamique, mon masque est appliqué. Je l'ai converti en objet dynamique parce que je m'apprête à utiliser la galerie de filtres. Et la galerie de filtres, si on a converti en objet dynamique, je vais pouvoir revenir sur mes ajustements de filtres. Alors, filtre, galerie de filtres, un exemple qu'on a ici, c'est contour postérisé. Et là où c'est contour postérisé, je peux choisir le nombre de couleurs, les détails qui sont sur mon véhicule. Donc, ce sont toutes des façons de nettoyer, d'arriver comme ça à des graphismes qui peuvent être intéressants. Alors, si vous faites des copies de vos calques avant justement d'appliquer des choses, vous allez toujours pouvoir revenir parce que c'est normal dans un processus de production. On vient de préparer notre document dans Photoshop, on l'essaie dans Illustrator, mais si les résultats vont pas bien dans Illustrator ou comme on veut ou comme ils nous sont demandés, on peut être devant une situation où ça va plus vite revenir faire des alternatives dans Photoshop puis de recommencer dans Illustrator plutôt que de ne pas revenir en arrière puis d'être toujours dans Illustrator. C'est pour ça qu'il faut garder toute notre information en arrière. Quelque chose qui a un impact aussi sur la vectorisation automatique, le nombre de vos tracés, c'est la résolution de votre image. C'est-à-dire que quand je vais dans la taille de l'image, celle-ci, la caméra que j'ai utilisée pour faire ces photos-là, c'est du 180 pixels au pouce. Alors, si je le convertis à 72 pixels au pouce, que je réduis mon image, le nombre de tracés, le détail que je vais avoir dans Illustrator va être grandement amoindri. Il y a vraiment une bonne différence. Je vais aller chercher mon document après l'avoir nettoyé. Voilà, mon détourage est mieux fait. Ma couleur de fond est séparée. Ça me permet de pouvoir exporter avec la transparence, sans transparence. J'ai toujours mon image originale avec son masque. Je n'ai pas perdu le masque. Je peux l'atterrir, je peux l'ajuster. Je pourrais décider d'enlever le miroir, d'enlever plein de détails. La vectorisation automatique dans Illustrator, elle va être faite à partir d'une image matricielle.
Dans les expériences que j'ai faites, j'ai pas vu de différence sur les résultats quand je prenais un JPEG, un PNG. Peut-être que dans certaines circonstances, il y en aurait, ça peut dépendre de ma source, mais j'ai remarqué des fois des différences. Enregistrer pour le web irrité, c'est extrêmement utile. La fenêtre de droite, j'ai mon résultat. À gauche, j'ai la source. Donc, la transparence actuellement, elle est décochée. C'est correct parce qu'en fait, je pouvais aussi vouloir garder ma couleur de fond plutôt que de la transparence. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut avoir. Je vais zoomer pour regarder mon résultat de plus près. J'ai changé mes paramètres tout à l'heure parce que j'ai donné des explications. Regardez, par défaut, il fait un tramage dans les couleurs. Et voyez-vous ici ce que ça fait le tramage? On a une option de tramage qui est avec la transparence. Là, je n'ai pas de transparence, mais c'est le contour de la transparence qui est ici, qu'on peut enlever là. Mais j'ai aussi un tramage au niveau des couleurs. Et les expériences que j'ai faites, moi, j'aimais mieux le résultat quand je n'avais pas de tramage. Donc, j'ai un contour là, qui est un peu en zigzag entre mes couleurs, mais je trouve que ça me donne un meilleur résultat. Ici aussi, je peux choisir le nombre de couleurs, donc je pourrais le réduire, je pourrais l'augmenter encore. Je pourrais le modifier, mais on ne peut pas revenir en arrière. Il vaut mieux changer vos couleurs dans Illustrator par la suite. Donc, je peux faire enregistrer et générer comme ça mon image source avec laquelle je veux faire un détourage. Je vais arrêter mon enregistrement, vous permettre de poser des questions, puis on va continuer dans le logiciel Illustrator.